17h02 dans Ça rentre au poste, on va jaser de morts insolites. Il y a les fameux Darwin Awards qui récompensent en fait les morts les plus ridicules de l'année. Et bon, c'est un sujet qui peut sembler morbide, mais il y a quand même des morts qui sont drôles. Ben, en fait, c'est que ça va tous nous arriver un jour oui, ou l'autre. Oui. Puis il y en a qui sont plus cocasses que d'autres, on va dire ça comme ça, tu sais. Parce que Maxime est super mal à l'aise avec le sujet. En fait, je vais vous dire bien honnêtement dans cette émission. Pas mal à l'aise, c'est juste pas. Ben, non. Non, non, mais écoute, parce que des fois, c'est comme de la sélection naturelle, un petit peu, tu sais. Ah non, ça, je suis vraiment d'accord. Il y en a pas assez de sélection naturelle sur la planète. Je suis d'accord, là. On est 8 milliards, on est trop, là. On peut pas être 20 dans un 4,5, oui. Là. Mais le mot mort m'agace oui. Tout le temps. Mais tu sais, quand tu m'as raconté ce qu'on est sur le bord de raconter, j'ai pas eu le choix de rire. T'as le droit de rire. C'est arrivé v'là un mois. Je sais pas trop. Non, mais v'là un mois, il y a un gars qui décide de prendre un selfie avec un ours. Honnêtement! Écoute, qu'est-ce que tu penses qui va arriver quand tu prends un selfie avec un ours? L'ours, il l'a pogné, puis le gars, il est mort. Mais je veux dire, tu sais, il a pris la décision quand même de prendre un selfie avec un ours. C'est ce genre d'affaire j'aurais fait, je pense. Ben non, t'aurais pas fait ça. Non, mais oui, tu sais, l'autre fois, il y avait les deux policiers qui avaient un ours sur le haut du char, qui est venu comme à côté dans la fenêtre. Je pense que j'aurais été assez cave pour essayer de le flatter, mais c'est cute. Ouais, mais ouais. Moi, t'es dans une voiture. Tu sais, là, il y a deux trucs dans l'actualité qui font jaser. Mm-hmm. Il y en a une qui n'est pas décédée, mais honnêtement, elle est allée nager avec les requins. C'est une vedette d'Instagram. Ouais. Et elle est allée nager. Mais quel genre de requin? Des requins dangereux, là. Ben, okay. En fait, non, mais il y en a des gentils. Non, okay. Ben, en fait, non. Je pense qu'il était dans la catégorie des requins qui peuvent être gentils. Mais là, il y en a quand même un qui a décidé on de la fait mordre. Fait chien. Et la personne a pris la photo. C'est donc sur Instagram. Ouais. Elle se fait mordre l'avant-bras par un requin. On voit ça. Oui, mais c'est pas comme Jazz, là. C'est juste des petites morsures. Mm-hmm. Mais en tout cas, bref, c'est Des morsures cute, c'est ça que tu vas me dire? Incommensurable. Cute! Non, mais tu sais. C'est le genre de morsure que t'as presque envie d'avoir, là. C'est juste que quand tu prends ce risque-là, à la limite, s'il est arrivé quelque chose de grave. Mais là, il est arrivé quelque chose à une femme de 48 ans de Manhattan. Ça, c'est dans l'actualité aujourd'hui, OK? Elle est tombée du 27e étage, mais dans la chute à déchets. C'est drôle. C'est ça. Non, mais sérieusement, parce qu'il y a plusieurs hypothèses ici. Tu dis, m'a faire un gag à mes chums. Oui. Deux, tu penses que c'est comme des glissades d'eau, parce que tu sais, ça zigzague, puis à la fin, tu fais splouche. Écoute, on ne saura jamais. Tu t'enfarges pas et tu tombes pas dans la chute à déchets. Tu as vraiment voulu rentrer là-dedans. Est-ce que l'ascenseur était plein? Je ne sais pas. Non, c'est arrivé tard le soir. OK. Et finalement, ce sont les éboueurs qui l'ont retrouvé. Je le sais, c'est malaisant de rire. En plus, c'est pas évident de rentrer dans ça dépend. Il y en a que c'est comme dans un placard, puis il y en a que c'est vraiment comme dans le corridor, puis tu tires. Ouais, tu sais, le petit, il faut vraiment que ça te tente de rentrer là. Tu ne risques pas du premier coup. Elle était déterminée à rentrer elle là. Voulait. Elle a travaillé fort pour descendre. Ça, on ne pourra jamais l'expliquer, c'est ça l'affaire, là. Tu comprends? Effectivement. En fait, c'est le plus frustrant de sa mort, c'est ça. C'est tu peux pas faire pourquoi. Pourquoi, c'est puis, ça? Tu sais, quand ça arrive, puis c'est dans ta famille, moi, si c'est arrivé, mettons, à un cousin, je mentirais. Ben, tu m'as pas dit qu'il y a quelqu'un qui est mort de même dans ta famille, oui ou non? Non, ben en fait, on va peut-être faire appel à vous, chers auditeurs. Moi, j'ai une histoire qui c'est pas dans ma famille, je tiens vraiment à le préciser. Mais c'est arrivé il y a une couple d'années, c'est le chef des pompiers d'une ville au Québec, OK? Okay. Fait que le gars, il a une job importante, il est respecté dans la communauté puis tout ça. Et il rentre chez eux, puis je sais pas, sa femme était pas là, puis il filait peut-être un petit peu cochon. Il a décidé de prendre son aspirateur central et de se le mettre sur le ses intimes. Arrête! Oui. Tu peux mourir de ça? Ça arrache un aspirateur central, là. C'est pas comme un dirt. Il a arraché le! Oui, non. Il est mort au bout de son sang. Et là, évidemment, il a été retrouvé dans cette position-là. Mais c'est épouvantable. Alors, qu'est-ce que... Mais non! Imagines-tu le malaise au salon funéraire? Quand... Même, ça me fait... Est-ce que tous les gars qui viennent entendre ça sont comme moi? Ou est-ce que les jambes replient sur toi-même? Seigneur! Man! Je préfère l'ours que de perdre mon pénis. Oui, puis c'est arrivé. Tu sais, ça, c'est arrivé au Québec. Puis je suis sûr qu'il y a bien d'autres exemples. Mais tu sais, il y a une chanteuse très connue des années 60. Si vous connaissez The Mamas and the Papas. Ben oui. Bon, Mama Cass, qui était la chanteuse du groupe, elle s'est étouffée sur un sandwich au jambon. Okay. Donc, tu sais, c'était ça aux nouvelles. Non, mais attends, il n'y a plus rien de mangeant. La seule image que j'ai, c'est le gars qui perd son pénis. Je suis désolé, je peux pas mais j'essaie de te le changer, là. Non, ça n'arrivera pas. Le plus, il est mort au bout de son sang parce que, évidemment, tu n'appelles pas 911. Ben, écoute, je sais pas. L'aspirateur central a volé mon pénis. Non, c'est ça. Pouvez-vous nous m'aider, s'il vous plaît? Tu peux pas. Tu faut que tu te laisses mourir. Tu sais, je pense que rendu là. Tu laisses ta famille dès l'ex de mort, là. Oui, c'est la décision. Tu peux pas. Fait qu'il y a d'autres exemples comme ça. Écoute, il y a quelqu'un qui est mort noyé à Détroit dans.
50 cm d'eau après avoir décidé de rentrer sa tête dans une bouche d'égout et d'être resté coincé là. Non, mais c'est des crampes de cerveau. Mais là, ça, vraiment, je pense que c'est le clou du clou. Là. C'est un homme qui a ouvert une lettre piégée qu'il avait lui-même envoyée à quelqu'un et qui lui a été retournée par la poste. Fait que lui, il a envoyé une lettre piégée à quelqu'un. Puis avec du poison, l'espèce d'anthrax, je sais pas trop quoi, un truc comme ça. Il a sauté d'en face. Voilà. Chose. Wow. C'est merveilleux, ça. Ça, c'est un grand champion. Fait que je suis sûr qu'il y a des histoires comme ça. C'est peut-être dans votre entourage ou des gens que vous connaissez. Si vous connaissez une histoire comme ça au Québec, 514-790. Essayez de taper l'arrachage de pénis, moi, j'ai peut-être une chance. 514-790-0943 1-800-665-5440 et le 6-12-12. Dans quelques instants, AC/DC Thunderstruck.
Ben, on remet des Darwin Awards version Québec aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas juste à l'étranger que les gens meurent de manière ridicule. Au Québec aussi, on a plusieurs appels et textos au 6-12-12. On va commencer par René. René, toi, c'est arrivé à ton grand-père. Oui. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, ben, ça se passe dans les années 80, oui. Plus précisément en 84, puis il avait été opéré pour le cœur. OK. Okay. Puis là, quand que c'est venu sur le coup, ben là, le médecin il a dit tu t'en vas chez vous, puis tu t'en vas te reposer, mais essaye de dire à un monsieur de cette envergure-là de rester tranquille. OK. Que, lui, il a fait du bois de poêle, puis le gros camique, comme si une journée de rien n'était, puis le soir, quand il est arrivé pour se coucher, ben il a dit à grand-mère, toi, à soir, c'est ton soir. Non. Il est mort sur ma grand-mère. Il est mort sur ta grand-mère. Ben, écoute! Oui. C'est une belle mort. Oui. Honnêtement. Je veux ça. Je peux-tu mettre ça numéro un sur ma liste? Dans le palmarès, ça? C'est la meilleure façon de mourir. Il est vraiment mort sur ma grand-mère, parce que là, le cœur, il a lâché. Ouais. La grand-mère, elle l'a poussé. Ouais. Fait que, il a tombé en bas du lit, puis le pacemaker a donné comme trois bons coups. Oh non. Puis il a jamais été réanimé. Oh mon Dieu. Content de mettre ta grand-mère, ouais, à quelque part. C'est sûr que la grand-mère, c'est moi. Dans notre famille, on a été le seul. Okay, dans notre famille, on a enterré un membre de notre famille avec le cercueil ouvert. OK. Parce que. C'est là. Merci beaucoup. Parce que le capot ne fermait pas, c'est ça. C'est ça le gag, c'est ça. Ben oui. Mais non, sérieux, il est vraiment décédé. Il est vraiment décédé. Ouais. Je suis ma grand-mère. Merci beaucoup, René, d'avoir appelé. On va parler à Alain. Alain, toi, c'est survenu sur une ferme, c'est ça? Oui, bien, on avait un de nos amis juste faire un topo de l'individu. Son nom, c'était Crossboy. OK. Puis, il travaillait job d'été dans une ferme. Oui. Et là, pour l'histoire de Maxime tantôt, ils ont retrouvé le gars un matin, le fermier est arrivé à la ferme. Il était couché par terre, décédé au bout de son sang. Le pénis plugué sur une treilleuse à vache. Oh! Aïe, aïe! Mais là, pourquoi vous allez là tout le temps, vous autres, là? Je non, mais là, pas de nous non, autres, ouais, honnêtement, j'ai quand même, tu sais, surtout dans mes bonnes années, eu un appétit sexuel assez développé, merci. Mais? Souvent dans un effet secondaire qui l'accentuait, jamais j'ai pensé baiser un aspirateur. Non, mais là, c'est de la curiosité, je te dirais. La curiosité? C'est une curiosité qui est malsaine. Ouais. Oui. À quand la spéciale curieux bégin de... Ben là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voyons donc. Okay. Oh, merci beaucoup, Alain. On va aller à Hugo. Je pense, merci beaucoup. Encore des images. J'ai mal arrêté l'enchiste à partir de la partie. Moi, j'ai du des corps, gens que là. Je connais qui écoutent la radio en ce moment. Ils ne seront pas contents. Non, mais moi, j'ai comme. On en a-tu un autre? Parce que moi, on a un bon message. On n'a pas une pote, non. Attends, on va parler à Hugo avant. Bon, Hugo. C'est la seule fois que j'ai envie de faire la radio avec un jackstrap. C'est pas normal. Hugo, ton histoire de mort insolite, c'est quoi? Moi, c'est mon frère qui a accidentellement tué mon père avec du fromage en grains et des jokes plates. Hein? Quoi? Attends, explique-nous ça, je comprends pas. Ah, ben, c'est ce qui est arrivé, c'est que mon frère, il avait acheté du fromage en grains à mon père, puis pendant qu'il était en train de le manger, puis il faisait avec un fromage en grains. Ah, oh, non, il l'a fait rire, puis c'était étouffé. Non. Pas vrai, mais comment tu te remets de ça? Ben, tu t'en remets pas, clair. Non, c'est sûr. Ce sujet est dans les mains. Tu ton père, puis tu manges plus jamais de poutine de ta vie. Ah, effectivement. Hey, mais... Il était dans un état quand même où il avait plus de qualité de vie. Au bout de ligne, ça a été une délivrance pour lui. Mais ah, OK. Ah, ça finit bien. Merci. Je ne sais pas si on peut dire. Si on peut dire. Merci beaucoup. Seigneur. Merci, Hugo, d'avoir appelé. Oh, man. Bon, texto au 6-12-12. Ah, Seigneur, l'ex de mon ami est décédé en faisant un gâteau. Elle a fait... C'est encore l'affaire de pénis, parce que là, vraiment, c'est aussi les limites de... Non, mais c'est un drôle de sujet, on va se le dire. Là. Elle a fait une crise d'épilepsie, s'est noyée dans le mélange à gâteau. Non. Je sais pas pourquoi tu nous as embarqué là-dedans, Sébastien. Ouais, mais par contre, j'en ai vu une aussi sur la messagerie. Et c'est une histoire vraie, parce que mon premier show en 98, j'avais un gag là-dessus. C'était un avocat à Toronto qui... je pense qu'il y avait des jeunes qui venaient visiter pour leur stage. Tu sais, des gens qui sortaient de l'université et qui pensaient possiblement faire un stage dans la firme. Oui. Et ils voulaient montrer qu'ils venaient d'installer des nouvelles fenêtres, des fenêtres de plancher jusqu'au plafond. Là, et pour montrer que c'était solide, il a foncé dans la fenêtre. Oh, mais attends, mais pas une fois, pas trois fois. Okay. Et la troisième fois, ça a cédé, il est tombé de 24 étages. Ouais, je me souviens que c'était pas la fenêtre qui avait décroché du cadre ou quelque chose du genre, parce que c'était des fenêtres incassables, puis ça avait été mal fixé, puis il est ça comme tombé. Mais anyway. Imagine-toi. Aïe, tu peux pas dire que tu mérites de mourir, mais... Mais fais pas ça, tu sais. Il y en a un petit autre au 6-12-12? Non, c'est une drôle d'émission. ben, écoute, je vais changer peut-être le comment... Ouais, s'il vous plaît, parce que moi, là, écoute, j'ai des chaleurs, j'ai mal. Honnêtement, on peut-tu dire qu'il n'y a aucun autre show qui parle de ce dont on parle non, en ce moment? Ben, je suis pas sûr que je vais m'en vanter, hein? Tu dis ça comme si c'était...
OK. Les mille façons de perdre votre pénis. Lors du retour à la maison. C'est comme aucun vraiment. Aucun sens. Bon. Oh, man. Une chance que les enfants sont dans un cas d'été, quoi que les parents sont en train d'aller chercher. J'imagine les enfants en train de dire maman, papa, tu veux qu'on peut le perdre dans des. J'avoue. Donc, évidemment, les infirmières et tous les gens qui sont en soins de la santé ont des histoires rocambolesques et incroyables. Donc, au 6-12-12, c'est une amie qui a. C'est toujours une amie, ben oui. Oui, c'est ça. C'est une fille qui a une amie qui est infirmière. Mais bref, le patient en question, qui est décédé à l'hôpital, avait eu l'idée d'aller se faire chatouiller la prostate par des rongeurs. Mais là. Oui. Au moyen d'un rouleau de papier essuie-tout. Oui. Et c'est ça. OK, là, c'est assez, arrêtez. Il y a-tu du monde qui ont des mauvais flashs dans la vie? Ça a mal fini. Je pars deux jours, puis on perd le contrôle du show, là, tu sais. Mais regarde, on l'a refait, le sujet. C'est pas juste. Ouais, jamais. Non, non. On parlait pas des dents de chest tantôt. C'est ça. Tu sais, on est parti de parler des dents de chest et puis de pénis. Non, mais c'est quand même la preuve que les Darwin Awards, ça se passe également. Je te rappelle que c'est toi qui as ramené ça sans arrêt, Max. Non. On était rendu ailleurs. Pas en tout. J'ai voté contre le sujet. Aidez-moi tout le monde, s'il vous plaît. Au retour, en musique, on se garde. David Bowie, Let's Dance à Énergie. T'es hit. Énergie.